Ah, de retour, nouvel épisode. Ouais, parce que ça fait 4 secondes pour nous, mais pour vous, ça fait au moins une journée. Et ça, c'est notre coach qui va nous amener sur la Lune. On est toujours invité par l'office touriste de Vennes. Dévoluy, Buëch, on continue. C'est le milieu du jour 2. Et il nous reste à peu près plein de kilomètres. Allez, on y va. Zébardi. Mon sac est bien fermé? Ouais, je dirais quoi, comme ça, histoire de te faire plaisir. Et t'es sûr que tu le vois encore, mon gars, à la vitesse où je vais, là? Je t'ai déjà mis 10 mètres, allez. Eh, on se croirait pas un peu en moto, là? Moto de route? Avec des paysages comme ça? Ça veut dire la porte, l'étroitement, l'étroitesse. J'ai eu un petit cours avec le haut savoyard, là, qui nous sert de guide. Un petit peu d'artisanat local, magnifique. Je vais t'attraper. Eh ben, dis donc, les petites chattes, elles me fuient ou quoi? Wouh! Voilà, là c'est la deuxième montée de la journée. Quatrième pause. Petit problème mécanique. Bon, bah ça c'est le quotidien du vététiste. Hein. Schuchheit, Rabiou, Lesissar. Oh là là. C'est là? Straight up. Parce que si c'était straight down, eh ben ce serait pas pareil. Encore 100 mètres de dev. C'est de la descente là? Ouais. Quel bonheur, Henri. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Enfin de la descente. You. Ça c'est des trucs que j'aime bien, ça. Ça sort le pied. Il y a les arbres à gauche, il y a les arbres à droite. Et t'as rien une position, c'est incroyable. Ah là là, il fait rêver le Pierrot. Et si Mika il a pas filmé là, avec cette magnificence de couleurs. Hop là. Oh. Ouais, moi ça va. Le vélo, je sais pas si ça va. C'est ça? Oh, on dirait qu'il y a eu encore un problème, dis donc. Oh non. Oh la violence. Ouh. Ah la selle. Regarde l'arbre. Non mais regarde ça. Comme si j'avais mes règles. Bon bah alors ça les gars, c'est la plus belle boîte que je me suis jamais mis en vélo. Je me suis jeté pour pas me mettre dans l'arbre. Oh alors là. Mais... Là. T'as crevé ou quoi? Non, pire. T'es tombé? Durée de frein pété. Oh, il y avait plus de selle. Tiens, la trace dans l'arbre, il y a... Là, il est solide, mon bonhomme. Ouais, il est impressionnant. Pas tant en termes de technique pilotage, mais en termes de solidité globale, il y a du monde. Hein. Ouais, les gars, on n'est pas là pour acheter du terrain. Quoi. Ouais, il a vu un petit arbre, il s'est dit, il est sexy, je vais me le prendre plein fer. Free ride, les mecs, wow. Parce que quand on a plus de selle, c'est vraiment dangereux. On en est où sur le déformation de la selle? On a réussi à remettre la selle. Reste le frein arrière. Bon, c'est tout droit? Ouais. Tout droit, mais pas dans les arbres. Mais bien sûr, il part devant. Ça repart. Et on va essayer de pas faire la même. Ça me démange du freiner du frein arrière, là. Mettre des drifts dans tous les sens. Et malheureusement, je ne peux pas. Bonjour, merci à vous. Olé. Ça, c'était pour le spectacle, un petit dérapage. Ouah. Oh. Eh ouais, fais le malin parce que t'as un frein arrière. On est sur de la montée technique là. Il y en a un petit peu quand même. Et ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est plus que de la montée physique. J'allais m'accrocher à toi, mais en fait, non, c'est toi qui as besoin d'aide en fait. Attends, chie là, mon gars. Ça y est, on arrive sur le plateau et il pleut. Un rafraîchissement sur un plateau, comme on dit. On va franchir le col et après, on va aller. On doit être déjà à 1000 ou 1100 de dénivelé aujourd'hui. Un électrique, deux musculaires. Enlève-toi, Pierre, enlève-toi. Pierre, fais pas le camp, fais comme Jésus. Oh Dieu, t'as failli te la coller là. Je prends un peu d'avance. Hein. Ouais, là je suis au bout là. 6 heures de vélo, c'est trop. Je suis au bout de l'eau et au bout du rouleau. Je suis sec. Et là, on est bien en forêt tous ensemble. Ah, c'est varié comme sentier quand même. Hein. On demande rien de plus. Si, peut-être un peu moins de casse matérielle. On laisse les roues sur le chemin et tout se passe bien. Qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. On est quand même tous plus aussi vaillants que ce matin. Hein. Quoi? Oh, il est pas passé! Le Pierrot, il s'extirpe à plat ventre. Ah, ça gratte, hein. Ici, la broussaille, elle picote, hein. Dans la jungle des Hautes-Alpes, on se promène tranquillement. À vélo, est fatigué, parce que c'est la fin de journée. Tant. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? C'est magnifique! Bon, on est à la cool, hein, c'est la dernière. J'arrive pas de se faire mal maintenant. Allez-y. Merci mon pote. Fais moins vite. Allez, prends le temps, Soso, t'as le temps. On t'attend en bas pour l'apéro. Le plaisir est moins là, les amis. Il va être temps de rentrer et réparer tout ça. Ouais, de l'angle avec le vélo.
ça travaille les techniques enduro et des haches. Oh. Eh, ça passe à droite, ça. Wouh. Excellent, ça. Les cunettes, elles sont parfaites. Wouh. Wouah. Excellent. Fatigué, mais la petite dernière, elle était parfaite. Pas trop mal au cul, ça va? Et voilà, c'est le petit gîte ONF pour la nuit. On vous laisse là, on vous reprend demain matin avec du vélo et encore du vélo. Parce que ça continue, c'est pas fini et le plus beau reste à venir. Oh, c'est le matin du troisième jour. Et les gens sont fatigués. Mais non, c'est que toi qui es fatigué. Nous, on a la patate. Le mot du jour, soleil. Soleil, ah ouais. On quitte le gîte des Sauvasses. À la prochaine, Birk. Ciao, ciao. Merci pour tout ce qui est logistique. Eh, hey, Solane, il est reparti, hein. Ça y est, hein. Alors, ça marche. Ouais, ça marche, regarde. C'est même une selle. Je revis, là, je revis. Ça passe pas en dessous, là. Difficile, hein. Ouais, c'est difficile, la vie, hein. Allez, c'est reparti pour 1h30 de montée. Piste forestière, 700 mètres de dénivelé. Le calme des montagnes du matin, c'est appréciable, hein. Ah oui, quand même. Du coup, on a dormi là. Et en 1900, il n'y avait pas de forêt. C'est dingue. On est arrivé au col de Montachon. Bah, une belle forêt de mélèze. Voilà. Comme ma charpente, tout en mélèze. Bon, bah là, ça va être mélodieux aujourd'hui, hein. Waouh, oui, c'est tout propre. Wouhou. Aïe. Ah, mais les buissons, ils piquent. Allez, on se met en rythme. On se met dedans. On laisse la roue dans le chemin aujourd'hui. On est en vélo, hein. Il ne s'agirait pas de l'oublier. Et les couleurs d'automne, c'est pas mal quand même. C'est magnifique, cette petite fraîcheur en plus. On a changé de versant, on est dans le déversant. Putain, ouais, ça griffe les mollets là encore. Ouh. Ah, t'es trop grand, Mika. Eh, hey, y a Jack, les copains. Jack l'éventreur? Non, Jack Dutronc. Ouh. Oh, le freinage, ça freine pas bien. Le chemin, il fait deux largeurs de roue, pas plus. Quand Pierre va doucement, ça se sent pas bon. C'est moi, c'est pas grave, tout va bien. Derrière, j'entends plus personne, hein. Je sais pas s'ils sont tombés, mais on n'a pas de nouvelles. Oh, franchement, ça passait. Hein. Voilà, fallait la faire. Allez, les pingues techniques, on va faire un petit bunny up, là, pit stop. Tac. Ah ouais, non, mais là... Je triche, hein, sur la caméra, on n'y voit pas, hein, que j'ai les deux pieds par terre. Ah, Pierrot a passé la seconde. J'essaye sa technique de Zoulou. Allez, reste avec nous, Pierrot. Il est un peu emmêlé. Et ça réveille, hein. Viens à la droite. Et ça balance, et ça balance. Youhou. Allez, la technique pilotage devant. Hein. Et on reconnaît les monos, hein. Qu'est-ce que t'adores ça? Toi, t'as l'habitude, toi, Pascal, hein? Waouh! Oh, le cochon! Oh, le cochon! Tu roules bien, hein? Et c'est bien Pascal, ton prénom, hein? Laurent! Putain, bon, bah voilà, je me suis planté tout le long. Comme disent les jeunes, le sang de la veine. Allez, on se sort les neurones, parce que le mec devant, il s'appelle Laurent. Et en fait, il envoie le bousin, Lolo! Et il s'est lâché les freins. Ouah, ouah, ça a roulé sous la roue là. C'est la différence entre les pneus en 260. Oh oui. Il s'est tellement mis en travers. Oh non. Oh non, j'ai passé. Ah, oh, j'ai passé. Ouais, faut pas croire, hein, c'est pas que du plaisir non plus. Ouais. Change de main, je sens que ça vient. Le bras, ça vient pas. Allez, c'est parti. Oui. Aïe. Oh putain, les branches dans la figure. Heureusement qu'il y a le casque, hein. Ouais, ça passe bien, ça. Petit virage relevé. Tout comme on aime. Dieu, ça roule dans tous les sens. Et je parle pas des pneus. Oh, le bâtard, il ferme la route. C'est fermé, là. C'est fermé. Allez, fais des dérapages, là. Ouais, les galets commencent à grossir.
Et mes couilles commencent à diminuer. Eh ben là, je peux vous dire que moi, en 29 pouces, je me sens bien plus à l'aise. Lolo la bombe, Seb la machine, Henri. Henri. Oh adieu. Eh dis donc là, c'est pas la fin encore. Parce qu'il paraît qu'on remonte tout là-haut. Et ça, ça fait pas rire les animaux en cage. Ouais, une heure et demie de montée, divisé par 2, 45 minutes. On mange au milieu, on est dans une forêt de pins. On se ferait à la plage. C'est quart d'heure 20 minutes quoi. Non, non, t'as dit 20 minutes d'en bas là. Ah, c'est pour moi, c'est pire comme dit. Moi je m'étais mis en tête là que c'était maintenant la pause pique-nique là. Bon, je mange pas, ça fait mal. Ah ok, là on est sur de l'upgrade. Petite lavande pour assaisonner le taboulet. Allez, ça démarre le gros bourdon. Pendant que les autres ils font la sieste là, on s'amuse un petit peu, on va vous faire visiter les environs. Oh c'est beau. Oh c'est beau, vous voulez voir? C'est la fatigue là les amis. Vivement la descente. On monte encore jusque là. Là on est au summit du jour 3. Maintenant il n'y a plus que de la descente jusqu'à Vennes. Devant on sent qu'ils ont envie de rentrer à la maison là. Les mecs sont à fond. Ah c'est un petit peu plus propre que les derniers sentiers quand même. Voilà, là il y a de la visibilité, il y a des ronces quand même, on fait gaffe, ça griffe les bras, tant pis. Passe, passe, passe. J'arrive pas à rester dans sa roue par contre. J'aimerais bien, mais dès que t'es un peu près, tu vois moins bien. Et dans ces trucs là, c'est pas forcément super rassurant. Oh là. Oh, c'était à gauche là. Youhou. Allez, on évite les arbres aujourd'hui. Hop là. Wouh. Oh, on est tous ensemble là. Oh, oh, oh. Ça, ça a failli toucher derrière, je pense. Ouais, 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 je m'y attendais pas celui-là. Ouais, ouais, c'est classe. Faut que je fasse gaffe quand même à essayer de suivre ces VAE avec des gros pneus de 2.8 là. Parce qu'ils passent n'importe où. Yes. Allez, on met de la prise de quart un peu là. Petite godille, on se met pas dans l'arbre, attention, il y a piège. Voilà, allez, Solam il l'a évité. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ça c'est bon ça. Ouais, on se déconcentre pas, on reste dedans, on s'accroche à son slip. Ah, on se prend la margoulette. Oh, oh, oh. Oui, monsieur. Ouais. Wouh. Oh, ça monte ou ça monte pas cette affaire. C'est beau là en tout cas. Oh non, de Dieu. Eh hey, c'est l'arrivée là. Là c'est Venn qu'on voit. Putain c'est notre destination finale. Oh là là, on y arrive. Le petit sentier botanique. On n'a pas le temps de lire les panneaux là, je peux vous dire. Calamagrostide argenté. Ils aiment bien prendre des noms intéressants. Calamagrostide en janvier, attention, sous les duvets. Soso il fatigue aussi. Soso il y va tranquille. Allez sanglier. Mais pourquoi il passe là, ce bêta? Bon bah c'est le dernier mais c'est pas le plus roulant je pense hein. Et c'est bien la première fois que je vois Mika traîner autant derrière. Et qu'est-ce que ça suit derrière? Et sûr que ça suit derrière. Oh putain. Oh il a l'habitude. Oh il a failli prendre le poteau. Et pas de rotule articulée sur celui-là non plus. Oh le bourrin. Et toi c'est pas ton vélo toi non? Il l'a loué au shop. Enfin c'est son shop du coup, c'est un peu son vélo quand même. Tac, tac, comme on dit, tac. Oh, allez. Là, je parle plus, là. Hey, je dis plus rien, là. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la glisse, l'enduro. Parce que souvent, quand même, on est en glisse. Ouah. Oh, je me suis fait attraper le guidon à gauche. Je crois que ça l'a cassé, de toute façon. Mika, il est bon sur un jour. Quand il faut de l'endurance, eh ben, il n'y a plus personne. Ah, il a touché. Festival de petites marches. Paysage du sud typique. Ouais. 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 Ouais.
Oh, les deux là, tu peux pas les louper. Voilà, yeah. C'est dur de suivre hein, quand même. J'ai les deux doigts, ils sont plus dans mon cul hein. Ah, c'est maintenant qu'il faut pas faire le con pour pas se faire mal parce qu'il reste plus que 4 bornes de plat. Voilà, hein Pierrot. Et voilà où se termine cette aventure incroyable. Hey, yeah. Ça c'est les mecs du sud. Ça. On va changer. Well done. Voilà, si vous venez à Vennes, c'est d'ici que ça part. 2,5€. Merci mon cher. Merci à toi. Un vrai plaisir. C'était un plaisir partagé plaisir, en plus. Merci à vous les gars. On espère que ça vous a bien plu. Nous on s'est bien gavé. Exténuant ces 3 jours. Ça va l'arbre? Ouais, oh, t'inquiète, l'arbre il a plié sous mon poids. En tout cas, on remercie à fond tout l'office du tourisme des sources du Buëch. Allez voir les liens dans la description. Et si vous voulez faire exactement les mêmes parcours, dans les mêmes conditions, avec une pension complète de ouf, avec des gîtes en pleine forêt, c'est entre 400 et 500 euros. Et c'est peinard, vous êtes encadré par les professionnels du VTT. Eh, hey, avec des repas de ouf, hein. T'as bu de la bière en plus, toi? Ouais, de tout. On met un petit pouce en l'air, le ciel est bleu. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. La surprise du mois de novembre, les mecs, elle arrive, elle arrive. Vous pouvez aussi nous féliciter sur Tipeee. Tipeee, c'est gentil, mais c'est que si on vous fait vraiment rêver, quoi. Bisous! Bisous!